Bonjour à tous, bonjour mesdames, messieurs, bonjour chers amis, chères sœurs et frères. Très heureux de vous retrouver, ému aussi d'une certaine manière, puisque c'est notre première masterclass dans le cadre de cette belle initiative des Assises de la Sagesse. Et je suis très heureux. Et toute l'équipe est très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle aventure. Donc, ces masterclass qui vont rassembler des invités de toute origine, mais rassemblés par à la fois leur qualité de connaissance, mais aussi leur qualité de cœur. Et je suis aujourd'hui très honoré d'accueillir parmi nous, au nom de toute l'équipe des Assises de la Sagesse, au nom du comité source, Marc-Henri Desroches, qui est docteur en études de l'Extrême-Orient des l'École pratique des hautes études de Paris en 2011 et qui est depuis 2013 maître de conférence à l'université de Kyoto, où il enseigne les études bouddhistes et tibétaines et dirige le Mindful Living Research Group. C'était quand même un grand moment pour nous parce que ça fait quelques temps que nous pensions à cette organisation et la voir aujourd'hui avec un représentant qui vit au Japon, donc en Extrême-Orient. C'est aussi ce désir des assises qui se réalise de pouvoir être présent de par le monde et pouvoir vous offrir cet enseignement à la fois transculturel et universel. Merci Marc-Henri Desroches d'être parmi nous aujourd'hui et je sais combien ton cœur est lié aussi à ce projet et je pense que nous te retrouverons souvent parmi nous. Je te laisse la parole pour présenter notre rencontre d'aujourd'hui qui a pour titre L'amour de la sagesse à la croisée de l'Orient et l'Occident, écoute, réflexion et méditation. Merci infiniment Yacine, et merci infiniment aussi à Frédéric Lundrup de m'avoir invité et je suis effectivement très heureux de me joindre à vous. D'abord parce que nous sommes des vieux amis et ensuite parce qu'effectivement ce thème de la sagesse a été au cœur de mes travaux universitaires depuis des années et j'y vois aussi un thème à remettre au premier plan afin de trouver d'autres solution peut-être, ou en tout cas d'envisager nos problèmes actuels en fonction d'une autre perspective, et peut-être la perspective qu'on pourrait appeler celle de la sagesse. Donc le titre s'appelle L'amour de la sagesse, qui est évidemment un écho du terme philosophie, philosophia, à la croisée de l'Orient et de l'Occident, et on va donc se concentrer durant une petite demi-heure, 25 minutes, sur finalement ces deux grandes figures de la sagesse en Grèce, Sophia. Et puis au-delà de la Grèce, après tout le monde méditerranéen et européen qui s'est ancré dans cette tradition-là, donc toute la tradition du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Et puis ensuite, la prajna, donc, qui est la version bouddhique de la sagesse, mais qui ensuite, de l'Inde au Japon, a formé le référent commun des civilisations asiatiques. Donc on va tout d'abord. Je ne veux pas dire que les deux sont exactement la même chose. Dans différentes civilisations, elles se sont exprimées différemment. Les enjeux étaient aussi en fonction des époques et des cultures et des problèmes de ces civilisations pouvaient être différents. Mais nous, aujourd'hui, qui pouvons avoir accès à ces deux grandes sources culturelles, eh bien, nous pouvons les croiser. En tout cas, nous pouvons bénéficier de regards croisés de leurs différentes perspectives et peut-être les combiner, en tout cas de façon intelligente. Mais afin de nous, en tant que, on va parler aujourd'hui en français, de faire revivre cet idéal de la sagesse. Alors, pour commencer, je vais citer Pierre Hadot, qui est un philosophe que je vais présenter un petit peu après en détail, et qui est extrêmement important pour cette redécouverte de l'ancien idéal de la philosophia, de l'amour, de la sagesse.
Et voilà un peu, il décrit un peu l'enjeu aussi très actuel de la question de la sagesse. Il écrivait « Nous vivons dans une civilisation où l'ordre de la science est totalement autonome, totalement indépendant des valeurs éthiques et existentielles. Et c'est précisément le problème, sinon le drame de notre époque. Comment le monde moderne retrouvera-t-il une sagesse, c'est-à-dire un savoir, une conscience qui ne porte pas seulement sur des objets de connaissance, mais qui porte sur la vie elle-même, prise dans son vécu quotidien, qui porte sur la manière de vivre et d'exister. » Donc, le but de cette conférence est une très modeste contribution à cette quête, en fait, comment aujourd'hui retrouver une sagesse et résoudre ce drame, ou voir cette tragédie dont nous parle Pierrado. Donc, pour ce faire, on va essayer de revenir un petit peu aux sources de nos civilisations, de commencer à glaner un petit peu dans notre histoire quels ont été ces grands fondements. Eh bien, et pour ce faire, on peut tout d'abord dire que l'Orient et l'Occident n'étaient pas séparés, comme c'était pas deux blocs, c'était pas la guerre froide, et elles ont été, ces deux grands ensembles de civilisations ont été en contact. Et il y a eu beaucoup plus de contacts qu'on peut aujourd'hui l'imaginer. Historiquement, tout ça est extrêmement complexe, mais je voulais juste donner une vue d'ensemble au départ pour un petit peu s'échauffer, pour s'étirer, afin de ne pas avoir une vision trop dualiste, en fait, Orient-Occident. Tout d'abord, bon, tout le monde le sait, je pense, Alexandre le Grand, qui était un élève du grand philosophe Aristote, eh bien, tout d'abord est parti de sa Macédoine pour aller jusqu'au nord-ouest de l'Inde. Et donc, son empire s'est étendu, il n'a pas duré très longtemps, évidemment. Enfin, en tout cas, il a connecté par des voies, bon là, du coup, militaires, mais aussi diplomatiques et commerciales, et donc, du coup, scientifiques, ces grandes civilisations. Alors, ça a eu, en fait, un impact considérable. Donc là, on a excusez-moi, il y a un petit peu de japonais qui traîne encore ici et là. On a une représentation médiévale, en fait, hein, de ce voyage d'Alexandre en Inde, où il rencontre ces fameux gymnosophistes, hein, ces fameux sadhus, ces ascètes nus qu'on voit encore aujourd'hui en Inde. Et donc, il y a vraiment un contact direct avec un grand dirigeant du monde grec avec la philosophie indienne. Et on sait, parmi les choses que l'on sait clairement, il y a beaucoup de choses qu'on peut supposer, mais qu'on n'a hélas pas de source assez robuste, on sait qu'il était accompagné par Pyrrhon, par exemple. Et Pyrrhon a eu ensuite une approche philosophique extrêmement similaire à celle du bouddhisme à travers cette recherche de la paix de l'âme, la tranquillité de l'âme, l'ataraxia. Bon, ce n'est pas le sujet tout à fait de la conférence aujourd'hui, ce serait trop vaste. Mais après, un autre élément important, c'est qu'une fois qu'Alexandre le Grand est parti, en tout cas que cet empire s'est un peu disloqué, eh bien, ses descendants ont formé ce qu'on a appelé ensuite les royaumes indo-grecs. Et donc, tout le nord-ouest de l'Inde a été ensuite les lieux d'une synthèse, voire de syncrétisme, entre le monde grec, enfin, la culture grecque et la culture indienne. Et c'est probablement, alors encore une fois, historiquement, hein, toutes ces données-là sont complexes, hein, mais en tout cas, dans ces royaumes-là qu'on aurait les plus anciennes représentations anthropomorphes, c'est-à-dire enfin, les représentations physiques, en fait, du Bouddha et des bodhisattvas. Jusqu'à cette époque, le Bouddha était souvent représenté par l'arbre, symbole de son éveil, ou par la roue, symbole de son enseignement, de l'ordre cosmique à laquelle il se rattache et qu'il expose. Mais avec la culture grecque, qui avait un anthropomorphisme tout à fait unique, eh bien, il y a eu cette influence majeure, et on a donc ces chefs-d'œuvre hein, du Gandhara, donc qui est le nom d'un ancien royaume indo-grec parmi une myriade. Hein, donc c'était toute une mosaïque hein, extrêmement complexe, et l'histoire est très difficile à retracer, parce que là, on a des ensembles de langues, donc pour les spécialistes, c'est absolument remarquable de pouvoir arriver à reconstituer cette histoire. Donc aujourd'hui, évidemment, ça se situe dans l'Afghanistan et dans le Pakistan actuel. Et donc voilà ce qu'on peut aussi observer en particulier au musée Guimet. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, si l'on peut dire, c'est en fait le début d'une grande histoire qui est celle de l'expansion du bouddhisme. Et en fait, le bouddhisme, voilà, c'est un petit peu une vue d'ensemble. Ça, ce sont les vecteurs hein, de la transmission du bouddhisme de l'Inde
au monde, enfin, à l'Orient et à l'Extrême-Orient. Et or, la transmission, ce que je veux juste dire aussi rapidement aujourd'hui, c'est que la transmission vers la Chine, la Corée et le Japon se fait en particulier par le Gandhara. Donc, en fait, ce que les Chinois, les Coréens, les Japonais, et puis après les Vietnamiens, et puis et même les Tibétains reçoivent, ce n'est pas seulement une tradition indienne, mais c'est déjà une synthèse indo-grecque et avec des éléments en perse et de bien d'autres civilisations dont on a à peine les noms, qu'on a du mal même à identifier sur une carte parce que ce sont des noms d'anciens royaumes qui ont constamment bougé. Donc, tout ça pour dire que les civilisations sont en contact étroit depuis longtemps. Et les bouddhistes en particulier ont beaucoup, beaucoup, beaucoup voyagé. Et là, on voit une image intéressante hein, d'une grotte de Dunhuang du 9e siècle. Un moine de l'Asie centrale, donc avec des yeux bleus, hein, qui enseigne à un moine coréen. Et donc, en fait, c'était déjà une transmission transculturelle que la diffusion du bouddhisme. Donc, c'était juste un petit échauffement. Et le propos d'aujourd'hui est de se concentrer finalement de voyager en Orient et en Occident, mais avec une boussole qui nous montre le Nord, qui n'est ni l'Orient ni l'Occident, mais qui permet de distinguer l'Orient et l'Occident et en même temps de ne pas s'y perdre et de s'y retrouver. Et donc, on va parler de la boussole de la sagesse, donc cette notion centrale qui a bien des facettes, qui a bien des niveaux, mais on va essayer d'en approcher les grands niveaux d'abord à partir de la philosophie grecque et puis sur la base de ce socle, concevoir quel peut être l'enrichissement pour nous aujourd'hui en France, puisque cette conférence est, ou dans le monde francophone, puisque cette conférence est en français, eh bien de découvrir le bouddhisme aussi à partir de ce cadre qui est le nôtre, en fait. Et donc, vous savez tous qu'en Occident, donc, la sagesse était très liée à cette inscription de Delphes et cette injonction reprise par Socrate, « Connais-toi toi-même ». Donc, cette connaissance de soi, donc on va voir ce qu'il en est. Et en Asie, avec la prajna, qui va finalement nous occuper davantage, on trouve parmi bien d'autres expressions, qu'est-ce que l'éveil ? Connaître son esprit tel qu'il est, dans sa nature véritable. Alors, commençons par le commencement, par explorer Sophia, et notamment par la redécouverte de son amour, qui est originellement la philosophie. Je fais une synthèse très rapide parce que le propos, ce n'est pas de faire un cours sur Platon et Aristote, mais juste pour rafraîchir notre mémoire culturelle. Et ce sont les notions dont je vais parler, étaient en fait vraiment au centre de la pensée occidentale jusqu'à une époque extrêmement récente. Donc, on a vraiment cette idée dans le monde ancien que la sagesse, c'est vraiment le socle de l'équilibre intérieur. C'est le principe même de la justice intérieure, de l'âme, dans un langage occidental, et aussi le principe de la justice de la cité. Et les deux sont d'ailleurs en étroite interrelation. Et donc, on compte, avec les Platon et Aristote, trois grandes facultés de l'âme. La première est la raison, le logos, mais qui est beaucoup plus, et ça, on va vraiment en parler en détail, qui est beaucoup plus que ce que nous appelons aujourd'hui la raison, c'est-à-dire entendu comme raisonnement simplement logique. Les mots n'ont pas le même sens, même s'ils ont des racines grecques communes, ils n'ont pas en fait le même sens. En tout cas, oui, il y a ce principe de la raison, qui est ce principe de l'ordre, qui est aussi l'ordre de la nature. Et ça, il y a une relation extrêmement profonde en fait, entre les deux. Et ensuite, les deux autres facultés sont ce qu'on appelle la partie émotionnelle de l'âme. Donc, on a cette distinction qui est importante chez les Grecs, la partie rationnelle de l'âme, qui est la raison, et la partie émotionnelle de l'âme, qui a deux fonctions. Et la première, c'est l'ardeur. Alors, l'ardeur, c'est aussi la capacité de combattre. Donc, c'est une forme aussi de colère, mais ça peut être aussi une colère un peu sacrée, c'est-à-dire c'est la capacité de se bouger aussi pour faire les choses. Et c'est un principe intermédiaire dans la psychologie morale des anciens. Et ensuite, il y a le désir. Et ces trois facultés doivent être ordonnées. Donc, c'est ça l'idée des Grecs. Si le désir arrive à s'arroger, à mettre à son service l'ardeur et ensuite à imposer sa loi à la raison, à se servir de la raison pour le simple esprit de profit, par exemple, c'est le chaos, c'est le désordre. C'est l'âme elle-même est en désordre, ce qui l'amène à un profond malaise. Et la cité, si elle est dominée par ces tendances-là,
par des individus qui sont eux-mêmes dominés par leurs désirs, c'est l'injustice. C'est l'injustice qui se répand. Et donc, en fait, l'être, par exemple, le tyran, je vous renvoie à la République, notamment, l'homme qui est totalement dominé par son désir, eh bien, c'est le tyran. L'être le plus dominé par son désir, c'est le tyran. Voilà. Donc, en fait, par rapport à ça, pour les anciens, il s'agit pour chaque faculté d'exercer une vertu. Pour la raison, c'est évidemment la sagesse. Pour l'ardeur, ce sera en fait le courage. Et le désir, eh bien, ce sera la tempérance. La tempérance, une belle notion qui est en fait très liée à la notion de sagesse, mais dans un sens très pratique, très vécu et très émotionnel. Donc, il y a bien aussi une sagesse émotionnelle. La tempérance, c'est cette sagesse émotionnelle. Ça veut dire tempérer ses désirs, ne pas abuser des plaisirs, mais ne pas lésiner à la tâche, par exemple. Donc, ne pas avoir peur de peiner un petit peu s'il faut faire un petit peu des efforts. Donc, c'est ça, la tempérance. Alors après, et ça, c'est plutôt aussi Aristote qui décrit ça, il y a trois objectifs de vie pour les personnes qui sont plus ou moins dominées par ces principes. Si on est complètement dominé par le désir, eh bien, on cherche le plaisir. Et le moyen de cela, eh bien, c'est d'acquérir de la richesse. Si on est dominé par l'ardeur, on va avoir un mode de vie tourné vers l'honneur, la recherche des honneurs. Et le moyen d'obtenir le maximum d'honneur, eh bien, ce sera la recherche du pouvoir. Après, il y a ensuite la sagesse. Et son moyen, c'est évidemment la philosophie. L'idée, c'est que plaisir, honneur et sagesse sont tous importants, bien entendu, mais il y a une hiérarchie entre ces objectifs. Il y a des priorités. Si on ne les respecte pas, eh bien, en fait, un véritable bonheur ne sera pas possible. Et là, on voit que pour les anciens, sagesse égale bonheur. C'est-à-dire que c'est finalement le fait d'acquérir cette synergie interne, en fait, cette harmonie interne qui va donner ce sentiment de bonheur. Voilà. Je voulais juste poser ce cadre-là parce que je pense que envisager la sagesse de ce point de vue-là nous montre à quel point elle est importante aujourd'hui à l'intérieur de chacun d'entre nous et de chacune d'entre nous, mais aussi pour recréer un tissu social, une société, j'avais même envie de dire une civilisation, une culture qui soit véritablement harmonieuse. Bon, je n'ai pas besoin de développer qu'aujourd'hui, la recherche de la richesse et du pouvoir domine très largement celle de la sagesse. Alors, quelques citations de Pirado pour nous inviter à cette redécouverte des anciens, mais d'une façon vivante. Alors, Pirado écrivait « Le discours philosophique doit être compris dans la perspective du mode de vie dont il est à la fois le moyen et l'expression, et, en conséquence, que la philosophie est bien avant tout une manière de vivre, mais qui est étroitement liée au discours philosophique. » Alors, c'est une citation très importante, parce qu'en fait, elle nous dit que la philosophie, qui est en général un discours rationnel, un examen rationnel, hélas, c'est aujourd'hui réduit à cela, largement, mais il faut bien comprendre que le but de ce discours, c'est de vivre d'une certaine façon. Donc, en fait, le discours pointe la manière de vivre et il l'exprime aussi. C'est-à-dire, le philosophe cherche à vivre de cette façon, donc il clarifie son propre discours, son discours intérieur notamment, sa propre pensée, afin de vivre de cette façon. Et ensuite, quand il l'enseigne aux autres, quand il dialogue avec les autres, il l'exprime aussi, c'est son objectif de vie. Donc, c'est très important de voir cette tension, et ce sera c'est à partir en fait, de ce point de vue-là qu'on va explorer aujourd'hui la sagesse dans le bouddhisme. Alors, après, Pirado nous décrit ce que sont les exercices spirituels. Donc, une approche très pratique, en fait, de la philosophie antique. Il écrivait « Je désigne par ce terme des pratiques qui pouvaient être d'ordre physique, comme le régime alimentaire, ou discursif, comme le dialogue et la méditation, ou intuitif, comme la contemplation, mais qui étaient toutes destinées à opérer une modification et une transformation du sujet qui les pratiquait. » Donc, on voit qu'originellement, la philosophie est une recherche, finalement, est une transformation de soi. Connaissance de soi, transformation de soi. Ensuite, la notion même d'ascèse, presque toutes les écoles proposent des exercices d'ascèse. Le mot grec askésis signifie précisément exercice et de maîtrise de soi.
les différentes méthodes d'ACES supposent toutes un certain dédoublement par lequel le moi refuse de se confondre avec ses désirs et ses appétits, prend de la distance par rapport aux objets de ses convoitises et prend conscience de son pouvoir de s'en détacher. Il s'élève ainsi d'un point de vue partial et partiel à une perspective universelle, qu'elle soit celle de la nature ou de l'esprit. Donc on voit que cet exercice de connaissance de soi, de transformation de soi, en fait, conduit à un élargissement du champ de conscience. Dans ce même ordre d'idées, on retrouve la notion d'impartialité. Ado écrit « Il est très intéressant de constater que dans la Grèce, l'Inde et la Chine, une des voies qui mènent à la sagesse consiste dans l'indifférence, c'est-à-dire dans le refus d'attribuer aux choses les différences de valeurs qui exprimeraient le point de vue de l'individu égoïste, partial et limité, le point de vue de la grenouille au fond de son puits ou de la mouche au fond d'une cuve, dont parle Chuang Tzu. Ce désintéressement et cette indifférence ramènent ainsi à un état originel, la quiétude, la paix, qui au fond de nous existe antérieurement à l'affirmation de notre individualité contre le monde et contre autrui, antérieurement à cet égoïsme et cet égocentrisme qui nous sépare de l'univers. » Et là, on voit que dans la Grèce ancienne, finalement, l'individualisme n'avait pas tout à fait pris la place qu'il a aujourd'hui, et qu'en fait, ce qu'on appelle connaissance de soi, eh bien, ça conduit à un dépassement de soi. Ce n'est pas du tout une forme de narcissisme ou de complaisance. Bien au contraire. Et là, maintenant, nous arrivons au cœur du projet d'aujourd'hui, celui de la réactualisation de cet ancien idéal. Il nous dit, c'est la leçon que je vais essayer de suivre avec, en m'en remettant à ces mots de sagesse. Le philosophe ou amoureux de la sagesse, au sens où nous l'entendons, pourra donc chercher aussi des modèles de vie dans les philosophies orientales, c'est ce que nous allons faire. Et ceux-ci ne seront pas tellement éloignés des modèles antiques. Et finalement, on peut dire que la Grèce ancienne est plus proche de l'Inde bouddhiste, ou en tout cas des traditions bouddhiques, que peut-être certaines évolutions modernes. Mais ce n'est pas si simple, cette réactualisation. Ado nous met en garde. Ce philosophe sera d'ailleurs exposé à bien des risques. Le premier serait de se satisfaire du discours philosophique. Et c'est évidemment là le principal travers de la philosophie académique, de la philosophie universitaire. Mais un autre danger, le pire de tous, ne mâche pas ces mots, serait de croire qu'il est possible de se passer de la réflexion philosophique. Et là, c'est peut-être aussi un travers de certaines communautés spirituelles qui, avec des expériences extrêmement fortes d'ordre mystique, peuvent avoir tendance à décrocher et penser qu'on peut se passer de cette réflexion. Or, il y a un grand danger, et Ado nous dit, sans cette réflexion, la vie philosophique risque de tomber dans la banalité ou la fadeur, ou les bons sentiments, jusqu'ici tout va bien, ou l'aberration. Et là, il y a une mise en garde assez importante. Alors maintenant, je vois que le temps passe très vite, je vais essayer d'être assez bref sans perdre l'essentiel. Nous avons parlé de la Sophia et je vous présente maintenant Prajna, sa sœur asiatique. Et vous voyez que Sophia, aujourd'hui, telle qu'on peut la voir et telle qu'on peut l'étudier dans notre civilisation, elle n'a plus de bras. C'est une vieille statue sans couleur qui a perdu ses bras, qui a encore sa tête. C'est-à-dire que la philosophie est un moyen de penser clairement, une activité conceptualisante et théorique extrêmement puissante. Mais comment se rattache-t-elle à notre mode de vie, à notre pratique, c'est beaucoup plus problématique. Or, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que tout ce qu'a expliqué, articulé parfaitement clairement en français Pierre Ado, se retrouve dans cette idée, parce qu'évidemment, ce n'est pas une personne qui est représentée en orange, là, c'est une idée symbolisée. Elle a non seulement ses deux mains, toutes ses couleurs, mais elle en a quatre. Et avec ces quatre mains, on a le dynamisme, parce que la sagesse est en fait une quête. Si je vais beaucoup vous en parler, c'est aussi que je ne la possède pas, je la recherche, c'est une quête. Et cette quête, ce développement se produit en trois temps, qui sont trois mouvements, et c'est aussi une activité cyclique, parce que c'est le cycle de la progression, on va dire. Donc la première, c'est la sagesse de l'écoute, qui est représentée par un livre, qui représente cette activité de recueillir l'héritage des anciens maîtres, les leçons du passé. Il serait vraiment
très dangereux et prétentieux de penser pouvoir s'en passer. Ensuite, mais tout ça, c'est bien beau, c'est bien joli, mais il s'agit de comprendre ce que cela signifie, et non seulement pour les anciens, c'est une première étape, mais pour nous-mêmes, comment ça s'explique à nous-mêmes. Et ça, c'est un effort de réflexion qui est très important et qui est représenté par cet objet qui est en fait un sceptre, qui représente cette puissance de l'esprit. Et on oublie peut-être trop souvent que dans le bouddhisme, la réflexion est extrêmement importante. Hein, le Bouddha a souvent dit « ne croyez pas à ce que je vous dis parce que c'est moi », testez ce que je vous dis comme un orfèvre testerait de l'or, en fait. Donc, cette activité de tester, de vérifier, de dépasser les doutes, eh bien, c'est la réflexion. Et en fait, c'est une activité absolument centrale. Donc, je insisterai sur ce point aujourd'hui. Mais bien sûr, ce n'est pas le fin mot de l'histoire. Cette réflexion, elle est encore dans la tête. C'est un savoir qu'on peut avoir éventuellement, mais pas que l'on ait. Il y a toujours un énorme fossé entre ce que l'on peut acquérir comme savoir et même comme bonnes idées, et ensuite ce que l'on peut mettre en pratique. Et là, c'est évidemment la méditation, donc, qui est beaucoup plus corporelle. On voit là ce geste des deux mains sur le bas-ventre, hein, ce travail d'incorporation des principes et vraiment d'une culture. Hein. Le mot ici pour méditation, en fait, en sanskrit et bhavana, c'est vraiment le fait de cultiver, de se familiariser, et c'est effectivement par la puissance de l'habitude, par la puissance de l'exercice, que ces bons principes deviennent véritablement vécus. Donc, on va parcourir un petit peu ces étapes. C'est vraiment un thème très important dans les sutras, dans les suttas anciens du canon Pali, mais c'est surtout dans le Mahayana qu'on va avoir ces trois idées. Alors, le Mahayana, donc là, on a Asanga et Vasubandhu, ce sont deux statues qu'on a à Nara, ici, près de Kyoto. Il faut savoir, sont deux frères qui sont nés au Gandhara. Hein, donc, on est déjà dans un monde, finalement, indo-grec. Donc, nous, Vasubandhu nous parle dans l'Abhidharma Kosha, finalement, de trois sagesses comme trois types de certitudes. Donc, la certitude qui est fondée sur l'autorité des écritures et des maîtres, la certitude qui est fondée sur l'examen rationnel, et la certitude qui est fondée sur l'expérience de la méditation. Donc, je vais essayer de décrire un petit peu ces trois types de certitudes. Le premier, je ne vais pas tout lire, hein, toutes les slides, ce sera apparent dans la vidéo peut-être enregistrée, donc les gens intéressés pourront les lire tranquillement. Mais je veux juste indiquer ici que les écritures dans le bouddhisme sont extrêmement importantes. Et là, vous voyez par exemple à Kyoto, ce n'est pas très loin d'ici, comment dans un petit pavillon, on peut vraiment déposer au sens le plus respectueux qui soit l'ensemble du canon Pali, là ici dans sa version chinoise. Et on voit vraiment que ça représente l'héritage, le grand héritage. Ensuite, je ne vais pas tout lire, hein, ne vous inquiétez pas, mais à partir des écritures, on a vraiment deux grands types de connaissances qui sont la pensée conceptuelle et la perception directe. Et donc, les deux autres sagesses, la sagesse de la réflexion et la sagesse de la méditation, vont finalement intégrer ces deux connaissances. Et en fait, on a besoin des deux. Il n'y a pas de quête de sagesse sans une intégration des deux. Donc ensuite, un point important, c'est que le fil conducteur de la quête de la sagesse, eh bien en fait, c'est la pleine présence ou la pleine conscience, comme on le dit aujourd'hui, qui est un terme très important. J'en parlerai pas trop aujourd'hui, mais juste pour dire que c'est le fil conducteur, parce que l'écoute, la sagesse de l'écoute qui correspond à la tradition, consiste à garder présent à l'esprit les enseignements. Et c'est cette activité de garder présent à l'esprit les grands principes de vie. Pour un musulman, les cinq piliers de l'islam, que ce soit des principes qui organisent toute la vie du musulman, et pour le bouddhiste aussi, les cinq défenses dans l'éthique, etc. Donc, en fait, avoir des notions très claires qui ordonnent notre existence. Donc ça, c'est garder présent l'esprit. Alors, c'est le premier aspect, c'est peut-être le moins profond, mais ça n'en est pas le moins, c'est fondamental en tout cas. Il y a le deuxième aspect, réflexion-raison, qui est la représentation. Il s'agit de réorganiser sa perception avec des concepts clairs. Et je ne sais pas quelles sont, on a pu avoir des expériences différentes du lycée, mais en tout cas, après un bon cours de philo, on peut sortir comme après une bonne méditation, si on peut dire. Les idées sont claires, tout de suite, ça clarifie et ça apaise aussi l'esprit. Et cette activité-là était vraiment au cœur de la philosophie occidentale, hein. Dépasser les passions par une pensée claire, qui n'est pas du tout une négation des émotions, mais qui est simplement
une clarification de notre propre expérience, de comprendre ce qui nous arrive avec un certain recul, avec une large, une grandeur d'esprit, on peut dire une grandeur d'âme, la magnanimité. Mais bien sûr, ensuite, c'est au niveau de l'intuition hein, que les choses s'approfondissent, et fondamentalement, cette pleine présence, cette pleine conscience, c'est une présence d'esprit. Et on verra, ce sera ma dernière slide, que ça débouche sur l'intelligence de la vie, dans toute sa profondeur. C'est la sagesse la plus profonde. Et justement, dans cette notion de pleine présence, cette notion de nature momentanée, instantanée, évidemment, tout ce que l'on connaît du passé et du futur, finalement, ce sont des images et des concepts. Et donc, déjà, organiser par la réflexion les images et les concepts, c'est déjà organiser notre rapport au passé, au futur, au souvenir, à l'imagination. Donc, c'est organiser aussi nos facultés. Et ça évite de tomber soit dans la dépression, trop de passé, soit dans l'anxiété, trop d'avenir. Mais ensuite, le présent lui-même reste une énigme, car ce qui nous apparaît dans l'immédiat n'est pas forcément ce qui... En tout cas, les choses ne sont pas forcément telles qu'elles nous apparaissent, et c'est pour ça que ce travail de la réflexion est extrêmement important, pour aussi déjouer les pièges de l'illusion. Voilà, alors... Avant de parler un petit peu de la méditation, puis après on ouvrira, ce sera le moment d'ouvrir la discussion, je voulais juste indiquer très rapidement les rapports entre la sagesse, l'éthique et la méditation. Parfois, on peut dire que les trois sagesses en fait, se développent sur la base de l'éthique. Ça, c'est assez classique comme définition. D'abord, il y a un code éthique, et à partir de là, le moine ou le pratiquant reçoit un enseignement. Mais en même temps, il n'y a pas d'éthique sans un enseignement de l'éthique. Donc en fait, on peut tout simplement dire que l'éducation morale fait partie est un des éléments importants de l'écoute. Et ça, c'est quelque chose que l'on trouve constamment dans les textes bouddhiques. Le maître enseigne finalement comment s'orienter dans l'existence, ce qui est bien bénéfique ou ce qui ne l'est pas. La réflexion aussi dans tous les textes bouddhiques a un rôle extrêmement important dans ce qu'on appelait dans les traditions occidentales l'examen de conscience. Hein, le fait de s'observer soi-même, de s'examiner. Et pour ça, il faut avoir des catégories pour savoir ce qu'il en est. Donc, je veux juste insister sur ces aspects-là. Et c'est à partir de là que se déploie la méditation et l'apaisement, qui est en fait une unification intérieure. L'apaisement, pour ceux qui connaissent déjà les termes bouddhistes, c'est shamatha. C'est ce que je traduis par shamatha. C'est ce que je traduis pour shamatha. Et c'est déjà en fait une thérapie. C'est là où les émotions perturbatrices. Donc, c'est un travail extrêmement plein de compassion, plein de douceur avec soi-même. Mais ce que j'insiste sur l'éducation morale et l'examen de conscience, ce n'est pas forcément être complaisant. Et aujourd'hui, il y a un peu, je trouve, une ambiguïté, parce que c'est vrai que dans le travail de la méditation, qui est un travail thérapeutique quelque part, il y a une douceur avec soi-même, mais qui n'est pas non plus de la complaisance et qui n'est pas non plus hors de tout cadre éthique. Donc, je voulais juste faire mais évidemment, le but, ce n'est pas d'augmenter les conflits intérieurs, hein, les conflits du moi et du surmoi et du ça, pour parler comme la psychanalyse. C'est une approche vraiment du milieu qui est à la fois de reconnaissance, qui n'est ni répression des émotions, mais qui n'est ni indulgence non plus, qui est une vision, qui est une attention, un soin. Donc, l'apaisement, cette traduction veut tout dire, c'est déjà le chemin de la paix avec soi-même et avec les autres. Mais ensuite, évidemment, c'est dans ce discernement qui est vraiment la sagesse par excellence, que se découvre notre véritable nature et donc la capacité aussi de découvrir la véritable nature des autres. Alors, je vais passer, j'ai beaucoup de slides ici, mais ce sera pour une autre fois, en tout cas pour la vidéo. Je vais juste laisser quelques secondes pour que ça reste dans la vidéo. Donc, par exemple, juste une image tibétaine pour exprimer le chemin de l'apaisement, c'est celle d'un l'esprit est comme un éléphant qui est tout obscurci et qui peu à peu s'éclaircit et qui au départ est mené par un singe et donc peu à peu le méditant trouve le chemin et finalement ensuite pratique à la fin et donc on trouve cette épée, l'épée de la sagesse, hein, la sagesse, le discernement. En japonais, comprendre, c'est couper.
Donc ça bon, en discernement, il y a aussi cette étymologie, hein, disséquer, couper le filet de l'illusion dans lequel nous sommes empêtrés. Hein, donc c'est ça le. Mais c'est un chemin lent et patient, et cet acte-là, évidemment, précédé de tout cet entraînement éthique et thérapeutique, si j'ose dire. Et donc ensuite, dans l'Extrême-Orient, c'est pas l'éléphant, mais c'est le taureau. Donc, je laisse le soin de personnes intéressées de regarder ces différentes étapes. Peut-être un autre aspect de l'apaisement, en fait, c'est la pratique des quatre illimités. Donc, ça me paraît être aussi important ici, maintenant de faire le lien entre la sagesse et la compassion. On parle, donc, c'est extrêmement important, c'est une tradition méditative. En fait, ce sont des exercices méditatifs qui sont extrêmement anciens, beaucoup plus anciens que le bouddhisme, qui forment en fait un fond commun entre l'hindouisme et le bouddhisme, entre le yoga classique et le bouddhisme, qui est aussi un yoga, hein. Yoga, c'est unification. Donc, ça s'appelle l'amour bienveillant, qui consiste à souhaiter le bonheur de soi et d'autrui, la compassion, souhaiter l'absence de souffrance, la joie, se réjouir des vertus et bienfaits, donc c'est un antidote à la jalousie, c'est aussi un antidote à la médisance, en fait, se plaindre, de mettre la. C'est un antidote aussi au journal de 20 heures, si vous me permettez une petite. Ensuite, il y a l'équanimité qui est l'indifférence au sens bouddhiste, parce que l'indifférence c'est un mot qui peut être un peu négatif. Il ne s'agit pas d'être indifférent à la souffrance des autres, y compris à celle, je viens de parler du journal de 20 heures, et c'est aussi, le journal de 20 heures, une bonne occasion de cultiver la compassion, en tout cas quand c'est le sujet, quand la souffrance est visible, c'est la réponse. Donc l'équanimité, c'est considérer de façon égale, c'est ça qui équanime, soi-même, autrui, ami, ennemi, personne neutre. Donc dans le Mahayana, on va avoir cette notion d'esprit d'éveil qui consiste à vouloir vraiment conduire tous les êtres à l'état de Bouddha, à l'état d'éveil parfait, mais ultimement, c'est l'union de la sagesse et de la compassion. Donc je voudrais simplement ici préciser que cette sagesse, en tout cas, elle est indissociable de la compassion, comme exercice méditatif en tant que tel. Mais aussi comme motivation sous-jacente. L'amour bienveillant, metta en pali, maitri, donc qui a donné Maitreya, donc Maitreya est le futur Bouddha, c'est le bienveillant en fait. Et le bienveillant, c'est aussi, donc ça c'est une puissante sagesse bouddhique, la bienveillance rend invincible. Le futur Bouddha est invincible parce qu'il est bienveillant. Il triomphera des forces obscures parce qu'il est bienveillant. Le Bouddha lui-même, quand il était avant d'avoir son éveil, avant d'obtenir l'éveil, attaqué par les ordres de démons, médite la bienveillance. Les armes se transforment en fleurs. Donc là, il y a un message très important et qui est peut-être, là, Yacine pourra nous aussi nous en parler, qui est véritablement au cœur de toutes les grandes traditions. Ça, il n'y a absolument aucun doute sur cet élément ici d'amour bienveillant. Voilà, donc ça c'est. On arrive. Pour conclure, là, pour vous montrer maintenant une petite image de Kyoto, on peut dire que la méditation est notamment une culture de l'attention, notamment là, et en même temps qui s'ouvre sur une contemplation de la nature. Hein. Le Bouddha est né dans la nature, a médité dans la nature, enseigné dans la nature, est mort dans la nature. Et quand les instructions de pratique dans les suttas anciens, c'est s'asseoir au pied d'un arbre. C'est même pas méditer dans un monastère. C'est trouver une souche, un arbre, un petit. Et là, dans le bouddhisme, qui est une voie du milieu, un paysage, autant le bouddhisme se méfie des plaisirs trop excitants et éphémères, autant un environnement agréable, c'est très important pour développer cette sagesse et cette compassion. Et donc, dans la méditation bouddhique, je pense que beaucoup sont déjà bien familiers, l'attention au souffle est extrêmement importante. C'est le trait d'union corps-esprit, un trait oublié dans la pensée occidentale, on en reparlera peut-être une autre fois, et qui vraiment permet une réintégration des différents aspects qui nous composent et qui aussi nous reconnecte avec l'environnement. Le souffle, c'est le vent, c'est ce lien. Et dans cette attention au souffle, qui est l'exercice méditatif avec lequel le Bouddha s'est éveillé, eh bien, il y a ce surgissement d'une vision qui surgit comme un poisson sort de l'eau, bondit hors de l'eau. Et donc là, on sort de la progression logique que j'ai décrite. Hein. Ça dépasse l'entendement, enfin, en tout cas ce type d'entendement. Et il y a cette découverte de l'intelligence de la vie. Et c'est ce que
eh bien, tous ces monastères, ça c'est un monastère zen, nous invitent en fait à découvrir, et chacun à son niveau et à différents moments de la vie. Donc en conclusion, je voudrais citer à nouveau Pierre Hadot qui nous dit « La philosophie antique nous apprend aussi à ne pas nous résigner, mais à continuer à agir raisonnablement et à nous efforcer de vivre selon la norme qu'est l'idée de sagesse, le principe de sagesse. Quoi qu'il arrive, et même si notre action nous paraît bien limitée. » Merci de votre attention. Merci beaucoup, Marc-Henri. Vraiment merci de ce moment très clair et très enrichissant. Et c'est toujours magnifique de voir la pertinence et la puissance et la cohérence de la tradition et de cet équilibre entre à la fois la raison, l'esprit, et puis la dernière photo que tu nous as montrée, et c'était bienvenu de nous rappeler que les traditions sont belles aussi. Elles sont en lien avec la nature, et en même temps, quand on voit cette photo, on voit l'amour que ces hommes portent à la nature, de cette civilisation extraordinaire du Japon, et la beauté. C'est sidérant, c'est un éveil de voir cet équilibre, cette harmonie profonde. Ce n'est pas un arrangement comme ça. On sent que les personnes qui œuvrent à l'intérieur travaillent la matière, mais sont habitées par cet esprit. Et c'est ce qui ressort juste de la photo que tu nous as montrée. Et je voulais t'en remercier. Avant de passer à notre échange, nous allons faire une pause de 3 minutes, s'il vous plaît, de silence pour intégrer la richesse et en même temps la subtilité des propos de Marc-Henri. Et nous nous retrouvons tout de suite après pour reprendre l'entretien avant vos questions. Merci beaucoup.
pour lancer notre discussion, je voudrais reprendre ce que tu as dit à propos de la réflexion, de la philosophie finalement qui tranche. Et en même temps, si on reprend la phrase de Claudel, connaître, c'est naître. Et ça rejoint ce que disait Jean-Pierre Vernant, le spécialiste de la Grèce, en disant que la philosophie, dans son départ, a toujours été tiraillée, entre guillemets, entre d'un côté l'expérience intérieure dont tu parlais, intime, et en même temps sa place dans la cité. Et là, on retrouve les deux aspects, naître par connaître intérieurement et trancher entre le vrai et le faux dans l'agora, dans la discussion avec les hommes. Pour reprendre ton slide de ce point de vue-là, c'est les deux aspects que je souhaitais aborder avec toi. Tu as commencé à parler d'Aristote et d'Alexandre le Grand, nous montrant en quelque sorte le rapport qu'il y avait entre la philosophie et le pouvoir, c'est-à-dire l'action que va représenter Alexandre le Grand, même s'il n'était pas qu'un homme d'action. Nous venons ici en France de traverser la période des élections. Qu'est-ce que tu penses justement du rôle, et ça rejoint aussi Platon et la République, du rôle du sage dans la gouvernance du monde, où à l'heure actuelle, il est évidemment pas présent, alors qu'on voit qu'avec Aristote et Alexandre le Grand, le lien était extrêmement étroit. Alors c'est effectivement la grande tension hein, dans la philosophie grecque. Donc il y a des gens peut-être plus compétents que moi pour en parler, mais je vais peut-être partager quelques éléments et je ferai un lien surtout avec le bouddhisme que je connais mieux. Mais évidemment, Aristote, la relation même entre Alexandre le Grand et Aristote n'est pas simple. Hein. C'est pas du tout simple. C'est certainement pas le cas qu'Aristote était vraiment entièrement d'accord avec ce type d'expédition. Bon, ça, les historiens trancheront. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça se passe pas toujours bien pour le philosophe. L'événement finalement fondateur de la philosophie, c'est la mort de Socrate aussi. Donc, le philosophe est finalement mis à mort par l'establishment, on pourrait dire, par l'establishment corrompu, en fait, hein, de la démocratie athénienne. Donc, ça commence comme ça. Et en fait, Platon lui-même doit fuir des tyrans. Donc, il essaie de créer cette cité dirigée par les philosophes. Donc, il trouve, on pourrait dire, des patrons, hein, mais ça ne se passe pas bien non plus. Donc, il fuit à plusieurs reprises. Et lui veut dire, déjà, je ne vais pas leur faire... je ne vais pas les laisser tuer un autre philosophe. Donc, après, ça suffit. Hein. Socrate a déjà laissé sa peau. Et Aristote aura à nouveau les mêmes problèmes. Donc, on voit que les rapports sont... Et Aristote lui-même devient beaucoup plus distant par rapport au pouvoir politique. Hein. Donc là, il y a une différence entre le platonisme, qui cherche à former des dirigeants eux-mêmes philosophes, et puis il y a le philosophe aristotélicien qui, lui, est philosophe et puis enseigne au prince. Donc, il y a déjà deux types d'approches. Donc, ce n'est pas du tout simple. Maintenant, moi, je répondrais avec le logiciel bouddhiste, si je puis dire, qui est sagesse et compassion. En fait, la sagesse, c'est bien finalement couper les amarres, couper les liens. Et donc, ça suppose aussi une activité de retraite. Donc, le philosophe, le sage, parce que le sage, les anciens grecs et romains ne savaient même pas s'il y avait eu un jour un sage. Hein, donc, ils avaient c'était l'idéal. Mais en tout cas, le philosophe a besoin d'une retraite, ne serait-ce que le moment de la lecture, par exemple, qui peut être une forme de prendre du recul. Mais en même temps, donc, dans le bouddhisme, la sagesse, c'est bien une activité de retraite. Ensuite, après cette activité de retraite, il y a conjointement et de façon alternée et subtile et d'équilibre encore, comme tu décrivais très bien, ce retour à la cité par compassion, en fait. Donc, qui est dans la tradition occidentale, c'est le philosophe qui sort de la caverne et qui y revient. Mais il faut qu'il y fasse très attention. Parce que quand il y revient, il faut qu'il fasse très attention parce que les autres sont très habitués à leur monde illusoire et ils sont d'ailleurs très attachés. Et donc, il ne s'agit pas de réveiller les gens trop brusquement.
Sinon, ça ne se passe pas très bien. Et donc, dans le bouddhisme, il y a avoir cette même tension. Donc, c'est une tension, mais ça ne veut pas dire que c'est une contradiction. Donc, c'est une contradiction à résoudre chacun par soi-même. C'est le chemin, finalement, et la résolution de cette tension, mais d'un point de vue existentiel. Mais je pense véritablement, notamment, alors je vais donner un exemple très concret. Vous voyez, les lieux, comme on a vu tout à l'heure, qui est là, le Shisendo, hein, pas très loin d'ici, on voit vraiment que les gens qui ont créé une culture belle, une beauté comme celle-là, qui ont manifesté une telle beauté, c'est des gens qui étaient à la fois capables de se retirer et de retrouver cette intelligence profonde de la vie. Et à partir de là, il y a ce pouvoir qui vient de l'intérieur, cet enthousiasme, la notion d'enthousiasme est extrêmement importante chez Socrate. C'est quelqu'un qui est animé d'un enthousiasme, enthousiasme au sein, et bon, je ne vais pas rentrer dans l'étymologie, mais c'est vraiment l'idée d'un don, d'une grâce, en fait, d'un don de la divinité, l'enthousiasme. Donc, il est porté, en fait, par cette énergie de la vie elle-même, qui est reçue par surabondance. Bon, je laisse les soufis parler mieux que moi, les platoniciens de cette façon-là, mais en tout cas, qui est une grâce donnée, qui est un don, et qui se donne en fait dans cette contemplation et qui a besoin de ce moment d'isolement, de ce moment de solitude qui n'est pas nécessairement un isolement et donc on voit qu'en fait cette culture, tous ces éléments, tous ces lieux culturels à Kyoto sont vraiment formés par la culture de l'ermitage, de l'ermite, mais qui finalement recrée une culture avec, parce qu'il y a derrière il y a des patrons, il y a des beaucoup, beaucoup de choses pour créer des lieux aussi beaux, il faut quand même des moyens aussi. Donc, on voit qu'il y a cet équilibre constant entre la retraite et l'engagement. Et on voit que certains maîtres, après, ont eu des patrons très puissants et ont souvent essayé de, et on trouve ça au Tibet beaucoup dans les biographies, toujours essayer de se retirer. Et le monastère peut être lui-même un lieu d'intrigue. Donc, cette tension, en fait, elle est constante dans la Grèce. Dans le bouddhisme, elle est interprétée, enfin, elle est décrite comme sagesse et compassion. Et c'est de leur pratique conjointe que peut se recréer une culture, une civilisation. Et c'est peut-être là aujourd'hui le chemin à suivre. Encore juste un mot par rapport à ça. Dans la psychologie, même aujourd'hui, on trouve que, même les historiens, dans l'histoire et la psychologie contemporaine, on trouve l'idée que les communautés créatives, véritablement créatives, sont celles qui, à la fois, savent se retirer, faire ce que l'on fait aujourd'hui, parler, dans peut-être un petit comité, quelques dizaines, quelques centaines de personnes, et après, peuvent essaimer. En fait, c'est ce qu'ils ont réussi à synthétiser, finalement, par leur acte créateur, dans leur acte de synthèse de l'entendement. Tu parles du chemin à suivre. Ça rejoint la suite de ce que la question que je voulais poser. Ouais. On voit chez les Grecs et en même temps en Orient, la civilisation, d'une manière assez globale, accorde une importance grande, voire primordiale, à la sagesse. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, alors même que nous connaissons des problèmes qui sont extrêmement importants, personne ne songe à faire référence, à faire appel à ce patrimoine extraordinaire, multimillénaire et aussi expérimentant, qui contient de multiples expériences. À la limite, on a l'impression qu'il n'a jamais existé. Oui, comment c'est vrai qu'il y a une... ça c'est s'explique vrai, oui. Moi, j'ai pas, c'est un problème complexe, je ne peux pas prétendre avoir la réponse, mais peut-être quelques éléments. Tout d'abord, c'est que pour revenir à l'époque de Platon, lui-même ne décrit pas les philosophes comme étant la majorité. Hein. Donc en fait, il décrit plutôt les tyrans et ceux justement qui sont dominés par le désir et les troubles, on disait peut-être pas sociaux à l'époque, mais enfin, en tout cas les troubles dans la cité qui naissent de cette domination des autres fonctions, de l'honneur au lieu de la sagesse, ou encore pire, du désir, la recherche du plaisir. On voit que c'était déjà des tendances très, très lourdes, déjà dès l'époque. Donc, on peut tout simplement le décrire. En fait, c'est un phénomène finalement assez naturel, hein, une sorte de pesanteur, hein, loi de la pesanteur, quelque part, d'éloignement. Un autre aspect, c'est que la philosophie, et là, les anciens eux-mêmes mettaient en garde
en tout cas, Ado fait beaucoup référence à ça, mettait en garde contre se satisfaire du discours. On sait bien ce qu'étaient les sophistes, hein, les grands ennemis des philosophes, c'est les beaux parleurs qui obtenaient du pouvoir et de l'influence. Aujourd'hui, on parle des influenceurs. Donc, cette recherche d'influence sur les autres par la puissance de la parole, mais qui est évidemment motivée évidemment par souvent parfois l'honneur, souvent le désir. Et donc, on a finalement une activité qui s'est réduite à une activité conceptualisante et qui, finalement, même si on arrive à voir les textes de Platon et d'Aristote ou même les textes bouddhistes, eh bien, si ça ne reste que des textes, c'est ce passage à la pratique qui a clairement manqué dans l'histoire de l'Occident. Alors, Ado donne une série de listes pour ça. Lui décrit... alors, beaucoup d'éléments, donc ce n'est pas forcément facile de résumer tout ça, mais peut-être le fait qu'à un moment donné, l'université, en fait, moi je suis un universitaire, mais l'université a créé un lieu où la philosophie était essentiellement un objet de discours, mais pas de moins de pratique, c'était plus des écoles philosophiques. Donc c'est un des éléments parmi d'autres, c'est une longue évolution. En tout cas, il y a beaucoup de ruptures qui se sont produites. Peut-être je mentionnerai Descartes, qui a réduit à un moment donné, qui a finalement détaché l'âme de sa fonction d'animation du corps, qu'elle était pour les anciens. Et là, on voit l'importance de la respiration dans les traditions contemplatives, de l'attention à la respiration. Donc ça, c'est quelque chose qui disparaît quand même en grande partie chez Descartes. Et l'aspect plus intuitif se réduit aussi. Donc il fait deux coupes, hein, Descartes. Une coupe dans le rapport au corps et à la fonction d'animation, donc de respiratoire, on pourrait dire. Et puis une coupe par rapport à l'intuition. Donc, on a vraiment une réduction à la pensée. Et donc, du coup, après, au sentiment individualiste d'un ego séparé. Donc, c'est ces coupes-là qui vont être extrêmement importantes dans la dynamique occidentale. Et donc, finalement, cet apaisement des passions, il se produit aussi par une attention à la respiration. Ça, c'est vraiment une grande donnée de toutes les traditions contemplatives, hein, de l'apaisement, le fait de trouver le calme. Et le calme émotionnel, notamment, hein, ça se fait aussi beaucoup à ce niveau-là. Et les émotions sont très proches du corps. Elles sont très proches du corps. Donc, il y a une attention au corps pour trouver une intelligence émotionnelle. Ça a disparu. On le retrouve maintenant, mais ça a quand même disparu dans l'époque moderne. Quand je dis moderne, c'est le XVIe siècle. Hein. Ce n'est pas contemporain. Et puis après, il y a cette réduction de la raison à l'activité de la pensée discursive, pour lesquels les Occidentaux ont été quand même vraiment virtuoses. Il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a vraiment une virtuosité qu'on a aussi en Inde et en Chine, bien sûr, mais c'est pas, ce sont, il y a vraiment des prodiges, mais qui sont vraiment à double tranchant, je pense. Voilà quelques éléments qu'on peut voir, mais des éléments de réponse, c'est justement qu'avec ces trois sagesses, on a cette réintégration du corps et de l'esprit via le souffle, et puis du coup, cette intuition qui naît une fois qu'un équilibre intérieur s'est établi. Oui, cette boussole, cette boussole à la fois extérieure et intérieure, ouais, dont tu parlais. Abordons le sujet de l'amour que tu as évoqué. Est-ce que tout ce qui vient d'être dit peut expliquer aussi que Dans la Grèce, mais évidemment la Grèce c'est le monde antique au sens large, la philia, parce que souvent quand on parle de philosophie, amour de la sagesse, on a l'impression que c'est une phrase qui concerne la philosophie, mais la philia était au cœur du projet avec l'égalité, l'isonomia, donc la philia, l'amour qui est la fraternité, est-ce que sa diminution, parce que aujourd'hui elle est inscrite dans le marbre de la République, mais est-ce qu'elle est encore vivante dans nos cœurs, et quel est le rapport donc entre ce que tu viens de nous expliquer et cette relation à la fois intérieure par l'amour universel, mais aussi de l'amour de l'autre, l'amour de la nature, qui est finalement la clé aussi du bonheur dont tu parlais. Tout à fait. Alors là, on a vraiment c'est tout à fait essentiel. Et déjà, cet équilibre intérieur, c'est pour ça que je parlais de l'amour et compassion, joie, équanimité, hein, qui sont absolument essentiels pour déjà
Sortir de cette idée d'un ego séparé qui repose toujours sur une peur et une volonté de se protéger, une volonté aussi de dominer pour ne pas être lui-même attaqué. Donc une prédation, il y a toutes ces passions extrêmement violentes en fait dans l'être humain. Donc le bouddhisme parlera en fait, là ça, on peut faire, il y a un écho, hein, donc ça, il y a une dimension indo-européenne à cela. Le bouddhisme parlera de tous les problèmes comme des trois poisons, c'est-à-dire le désir pour ce qui est plaisant, donc nos amis, l'aversion pour ce qui est déplaisant, donc nos ennemis, ils sont nos ennemis, on les juge nos ennemis parce qu'ils ne nous sont pas plaisants, et puis l'indifférence, là c'est plutôt négatif, pour ceux qui, entre les deux, ce qui ne nous concerne pas. Et donc pour le bouddhisme, tous les troubles cognitifs et émotionnels trouvent leur racine à ce niveau-là. Et donc en fait, les quatre illimités dont j'ai parlé, sont déjà en fait la grande réponse de façon pratique et simple. Par exemple, l'amour est une réponse évidemment à la colère et à l'aversion, c'est-à-dire c'est étendre cette bienveillance à ce qui ne nous est pas plaisant, et donc c'est un acte déjà de réconciliation, c'est très très important. La compassion en ayant pour objet la souffrance nous fait relativiser nos attachements, parce que si on se plaint de ne pas avoir une maison assez grande, on se rend compte qu'il y en a qui n'en ont pas du tout. Et non, c'est pas seulement ce qu'on raconte aux enfants pour qu'ils mangent, mais il y a cette vraiment de prendre conscience de l'immensité de la souffrance qui est présente sur la surface du globe est déjà en fait un énorme antidote à nos petits attachements. Voilà. Donc ça, c'est l'autre aspect. Ensuite, la joie est une réponse à la jalousie, comme je l'explorais, et l'équanimité, évidemment, à l'orgueil et à cette ignorance qui se fout de ce qui ne, le, de ce qui ne nous concerne, quand on se fout de ce qui ne nous concerne pas, en fait. Donc, ces quatre, en fait, ces quatre pratiques sont déjà une immense, ont déjà un effet thérapeutique immense sur ces maux de la cité. Donc, moi, ce que je pourrais peut-être proposer, c'est de les remettre avec un discours philosophique clair, pour ne pas tomber dans les bons sentiments, justement, dans la fadeur ou les bons sentiments, de les remettre en termes de pratiques, parce que ce sont des pratiques. Alors, ça répond peut-être aussi à ta question. Ce sont des bons principes, mais là ce sont en fait, et ça, c'est une révolution, c'est extraordinaire hein, de découvrir cela, c'est qu'en fait, ce sont des qualités de présence et d'être qui peuvent être cultivées et qui peuvent être étendues en termes de durée et d'intensité, et même c'est-à-dire d'objet, c'est-à-dire tout d'un coup, on peut pratiquer ça avec un enfant ou un chiot, parce que naturellement, ça va déclencher cette affection chez nous, et bien cette affection, elle peut être amplifiée, et finalement, et comme disait Marc Aurèle, la meilleure façon de ne pas être défait par ses ennemis, c'est de ne pas leur ressembler. Et donc, en tout cas, la façon bouddhiste de triompher des ennemis et de l'inimitié, eh bien, c'est l'amour. Ce sera peut-être la réponse. Et donc, il faut moi, je suis, par exemple, je ne suis pas toujours très content de nos gouvernants, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que les haïr ne nous sert pas. Et d'ailleurs, avec mes élèves, donc on lit beaucoup de textes, des fois, on trouve des choses intéressantes, et on voyait que dans les résultats d'un mauvais karma, par exemple, la haine amène à être, à un moment donné, sous le joug d'un tyran. Donc, la haine est le résultat karmique. Pardon, le fait d'être dans une tyrannie, d'une dictature, est le résultat d'une propension à la haine. Donc, la meilleure chose qu'on puisse faire, si on ne veut pas rentrer en dictature un jour, c'est de surtout pas haïr nos gouvernants. Voilà, c'est ce que je... Ça ne veut pas dire être toujours d'accord, il faut des contre-pouvoirs, il faut une discussion. Oui, mais... Et que la haine de l'autre camp, c'est ça dont peut-être nos démocraties souffrent beaucoup. C'est certain. Mais ce que tu dis... évoque à la fois une immense espérance par les moyens et en même temps la simplicité des moyens, oui. Et puis la désespérance, c'est-à-dire le fait que pourquoi notre humanité d'aujourd'hui délaisse de tels trésors. Ce que tu viens d'expliquer, cette alchimie de l'émotion finalement, de comment tout simplement on peut... être, comme tu dis, avoir un ego tyrannique ou une tendance tyrannique et ne pas en faire un complexe, mais l'accepter et le transformer, ouais. Avec les méthodes que tu viens de dire.
c'est une forme d'éveil de conscience qui est quand même, quand on y réfléchit, pas si compliquée. C'est pas quelque chose qui est réservé à une élite et qui pourrait être tout à fait enseigné. Et c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que nous avons à disposition des outils comme cela qui peuvent véritablement transformer ici et maintenant la situation. Et nous restons enfermés à l'intérieur donc, du puits, la mouche dans le puits dont parlait Chuang Tzu. Il est temps donc de faire, de donner la parole à la sagesse. Comment vois-tu les possibilités que cette sagesse-là puisse faire entendre aujourd'hui? Alors, bon, les problèmes actuels me dépassent infiniment et c'est ce que je propose. Et c'est pour ça que la dernière slide suivre l'idée de sagesse, même si notre action nous paraît limitée, mais en même temps, ne pas nous résigner. Donc, il y a ces deux aspects. Ne pas se résigner, en même temps, même si on n'est pas capable de faire grand-chose. Mais en fait, la suite dans le livre dit, il y a une citation de Marc Aurèle, je vais la citer du coup parce que ça fait écho. Juste après cette citation, Addo conclut ce livre, hein, que je recommande vraiment, c'est un manuel assez accessible. Comme le disait Marc Aurèle, n'espère pas la République de Platon, c'est-à-dire la cité idéale, mais sois content si une petite chose progresse et réfléchis au fait que ce qui résulte de cette petite chose n'est précisément pas une petite chose. Donc, on pourrait dire effectivement que sans se résigner, peut-être faire juste un pas, mais je pense qu'on a quand même en France l'enseignement de la philosophie qui existe. Moi, j'ai évolué vers les études asiatiques, hein, mais je suis revenu ces dernières années beaucoup sur cette tradition, parce que je pense que c'est un sort quand même important dans la société française. Donc, on a une vraie belle tradition. On a des grands spécialistes, hein, bien meilleurs que moi d'ailleurs, sur ces questions grecques et latines. Mais justement, on peut maintenant, avec le bon développement des études asiatiques, mon souhait, c'est que cette tradition occidentale humaniste gréco-latine, qui est la racine aussi des religions, des monothéismes, en tout cas dans leur phase éthique, leur dimension éthique et politique, on peut faire ces liens-là et intégrer, je pense que la triple sagesse est très proche de la philosophia, justement de l'amour de la sagesse, et intégrer aussi des pratiques fondamentales qui ne sont pas seulement bouddhistes, qui participent d'un même fond, avec un cadre clair, proposer ces aspects, les intégrer dans l'enseignement. Donc, c'est ce que je propose, c'est l'intégrer dans un enseignement de la philosophie, intégrer ces pratiques-là, sans que ce soit nécessairement religieux ou confessionnel. Et je pense que là, on a des pratiques qui sont vraiment... Et alors je ne vais pas trop développer là-dessus, mais il y a des chercheurs sérieux, hein, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui ont, dans leurs recherches historiques, montré que les moines bouddhiques avaient quand même beaucoup voyagé et qu'ils étaient peut-être arrivés proches de d'Israël et du Proche-Orient, du monde méditerranéen, et qu'en fait, ce qu'on retrouve aussi dans le christianisme a peut-être aussi des liens avec ces pratiques-là. En tout cas, cet agapé, la caritas, l'amour dans le christianisme, ce n'est pas si différent. Donc là, on a une source, et je te laisse citer Ibn Arabi, hein, ma religion est l'amour. Oui, j'aurais mille questions à te poser, mais le temps qui nous est imparti va s'achever, et puis... C'est bien de donner la parole à tous ceux qui sont parmi nous aujourd'hui. J'aurais voulu parler de la paix. Tu parles d'Ibn Arabi, de la Shakina, c'est-à-dire d'où vient cette paix aussi. On parle de retrouver la paix en soi, ça veut dire qu'elle est quelque part, mais où est-elle? Mais peut-être qu'on abordera cette question tout à l'heure avec ceux qui nous écoutent. Ma dernière question ira vers la question de l'écologie, qui est au cœur d'une problématique d'aujourd'hui. En quoi cette sagesse d'Orient et d'Occident, en quoi le,
le bouddhisme et la vision d'Aristote et d'une manière générale la sagesse primordiale, universelle, a-t-elle à la fois un rôle à jouer et en quoi tout ce qui vient d'être dit peut nous aider à modifier notre regard à la fois sur la nature et en même temps peut-elle nous aider à trouver concrètement des solutions. Et comment intégrer ces deux dynamiques, à la fois ce regard plus vaste, plus relié finalement entre la nature, l'homme et cette intériorité, pour les soufis on va dire le divin ou l'esprit comme on voudra l'appeler, et puis de notre côté, le fait que tout ça ne reste pas une abstraction, mais peut-être peut nous ouvrir sur des solutions pratiques. Alors le plus proche, comme je le mentionnais, le plus proche de la philosophie, y compris la philosophie à partir des sources bouddhiques, c'est peut-être l'éducation. En fait, c'est vraiment le plus proche. L'action politique est déjà à un niveau plus externe, on pourrait dire, si on fait cette distinction. Donc moi, je serais peut-être un peu aristotélicien sur ces questions-là. Je m'attarderai peut-être à l'éducation. Ce que je peux dire, par contre, d'un point de vue très très concret, c'est qu'en fait, notamment pour les personnes qui ont eu l'occasion d'être introduites à des techniques fondamentales de méditation de pleine présence, la pratique dans la nature a un effet extrêmement ressourçant. Et je pense que c'est déjà une paix qui peut être redécouverte, qui peut être retrouvée. Et c'est le fait que les êtres humains ont perdu cette paix qui les rend si irascibles, si insatisfaits et si destructeurs. Et si destructeurs, parce qu'il en faut plus, c'est jamais assez, c'est jamais comme il faut. Il y a cette insatisfaction profonde qui vient d'une coupure avec notre véritable nature. Et il y a évidemment la solution écologique est fondamentalement spirituelle, mais ça aussi, tout ce qu'on peut faire, je pense, pour avoir un mode de vie plus proche de la nature me semble d'abord un ressenti, redéployer, recultiver notre ressenti de la nature, c'est déjà le premier pas afin d'en prendre soin, je dirais. Mais je laisse ceux qui sont plus proches de l'action politique et sociale traiter de cela avec plus de justesse et de justice. Oui, c'était la question portée aussi sur le lien, parce qu'il y a son regard, mais cette nature, d'une certaine manière, nous la portons en nous. Et comment le retour vers notre unité, finalement, peut nous aider à mieux agir dans la multiplicité ou dans la diversité. Tu sais qu'avec la Malone Roupe, le grand thème lancé nos amis des Assises de la Sagesse, c'est l'unité dans la diversité. Oui. Donc, en quoi cette unité peut nous permettre, et ce chemin qui semble intérieur ou personnel, si tu veux, vers cette unité, peut nous permettre de pouvoir rejaillir dans les problématiques ici et maintenant auxquelles nous devons faire face. Alors peut-être une question de réponse toute simple pour après laisser la parole aux autres. Réponse bouddhique, les trois poisons sont vraiment le creuset de notre enchevêtrement dans la souffrance et dans des processus après d'autodestruction. Et donc, en fait, avec ces pratiques en fait, qui nous permettent aussi d'accueillir ce qui est douloureux aussi, ce que nous n'aimons pas, en fait, c'est-à-dire de changer d'attitude aussi à l'égard de ne pas répondre à la violence par la violence, par exemple. Et ça, le Bouddha, c'est vraiment la loi universelle, même le Bouddha le dit, c'est une loi ancienne, la haine ne s'éteint pas par la haine, mais par l'amour. Et donc, toutes ces pratiques-là Donc là, nous vivons une période extrêmement difficile. Peut-être qu'il y a des formes de tyrannie aussi qui sont là, de corruption, mais nous ne les résoudrons pas si nous réalisons par cette « il faut les éradiquer ». Ça ne marchera pas. Ça ne peut venir qu'à un niveau beaucoup plus profond, qui est lucide, qui est complètement lucide, mais en même temps qui est déjà une forme de réconciliation, de compréhension de pourquoi les êtres humains s'égarent, et que finalement, nous ne sommes pas fondamentalement différents. Nous ne sommes pas fondamentalement des tyrans, différents des tyrans, par exemple. Nous ne sommes pas fondamentalement différents des salauds.
La racine du salaud, ce sont les trois poisons, c'est la réponse bouddhique. Et donc, on l'a en nous. Et ça, c'est des choses que beaucoup de gens, notamment persécutés dans la camp de concentration, ont dit. Hein, je pense à des auteurs juifs en particulier qui ont exprimé ces choses-là. Le mal que nous voyons à l'extérieur existe en germe, au moins en germe en nous-mêmes. Et tout ce travail intérieur, justement, une fois qu'on l'a décortiqué et comment dire, déminé à l'intérieur, c'est beaucoup plus clair à l'extérieur et ça permet ce chemin de réconciliation. C'est ça que je dirais. Et peut-être par rapport à toutes les difficultés qu'il y a aujourd'hui et peut-être qu'il y a à venir, cette pratique de l'amour bienveillant et de la compassion est peut-être vraiment une solution majeure, je pense, parce qu'en fait, déjà, accueillir ce qui est délicat, ce qui est douloureux, est déjà un pas vers la guérison. Et c'est peut-être le pas le plus essentiel aujourd'hui. Et ensuite, comme une sorte d'effet secondaire, et ça, c'est les choses que, par exemple, les lamas tibétains qui ont été enfermés, torturés, ont bien l'occasion de pratiquer, ça permet d'avoir un esprit serein dans les situations les plus difficiles. C'est-à-dire que le fait d'éprouver de la bienveillance est agréable. C'est ça le génie, le tour, enfin le génie du bien. La beauté du geste quelque part, c'est qu'en fait c'est en soi agréable. Et donc à un moment donné, le refuge, si je peux dire, si tout fout le camp, eh bien c'est d'en revenir à la bienveillance et de s'y retirer comme une sorte d'île de Tahiti intérieur. C'est peut-être ça que je dirais. Et évidemment que ça va évidemment avoir des conséquences immenses à l'extérieur, mais que nous ne pouvons pas prévoir et que nous ne pouvons justement pas prévoir parce que le fait de les prévoir, c'est rentrer déjà dans de la calculation. Et ça, c'est ça qu'on dit souvent, que la sagesse, quand elle est cette intuition de la vie aimante et compatissante, elle est inconcevable. Il y a cette idée-là que la raison humaine, même l'intelligence artificielle avec tous les ordinateurs du monde, ne peuvent pas concevoir. C'est au-delà. Je veux dire, la multiplicité des formes du vivant est inconcevable, est vraiment au-delà de tout. Par contre, on peut s'aligner avec. On peut le ressentir. Et voilà, c'est ça peut-être, cette intelligence de l'amour, cette sagesse de l'amour. Connaître. Connaître. Co-naître. Naître avec. Merci, merci. Merci beaucoup. Et ce que tu dis m'a fait rappeler un verset coranique qui dit « Qu'attendre du bien, sinon le bien. » Qu'attendre du bien. Qu'attendre du bien, sinon le bien. Merci beaucoup. Nous allons faire… Il y aurait encore 1000 questions, mais merci beaucoup pour cet entretien, Martin. Nous allons faire une pause et puis pensez, chers amis, à poser vos questions via le chat.
Je vois déjà deux questions. La première est un commentaire, effectivement, très intéressant. Effectivement, le livre de Damasio est très important, L'erreur de Descartes. C'est un point de vue notamment des neurosciences et qui montre aussi le souffle et l'intuition, bien sûr, mais le rôle de l'émotion dans le jugement, en fait, et qu'on ne peut pas complètement séparer l'émotion de la raison. En fait, ça, c'est extrêmement important. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, dans les sciences de l'éducation, au niveau international, donc de ce que je vois ici au Japon, on parle parfois des facultés non cognitives, c'est-à-dire pour tout ce qui est relationnel, émotionnel, social, on va appeler ça non cognitive. C'est très, très bizarre d'exprimer les choses de cette façon si négative. Donc je pense qu'effectivement, je fais la transition maintenant avec la deuxième question de Jean Burger sur l'échange et l'ouverture et l'intelligence du cœur. Effectivement, j'aime beaucoup cette expression, l'intelligence du cœur, parce que on voit, et ça c'est une grande donnée des grandes spirites, de toutes les grandes spiritualités, c'est que finalement la sagesse c'est toujours finalement cette conjonction de la connaissance et de l'amour. Et là, je pense que dans petit email de communication, Yacine citait Saint Thomas d'Aquin hein, sur ces questions-là. Donc je pense en fait que moi je travaille en fait dans un centre interdisciplinaire, même si je suis assez spécialisé sur philosophie, histoire des religions. Je pense qu'en fait il n'y a pas d'échange ou même de synthèse transdisciplinaire s'il n'y a pas cette intelligence du cœur et cette sagesse fondamentale. C'est-à-dire que il n'y a pas de synthèse possible. On peut éventuellement agréger des choses, on peut faire toutes sortes de bricolage, mais ça sera un peu monstrueux à la fin. Et je pense que l'intelligence du cœur, ça c'est très fort chez Edgar Morin, notamment, qui est un grand penseur de l'interdisciplinarité, aussi de l'intelligence du cœur. Je regarde ensuite Foucault à la fin de sa vie s'est intéressé aux travaux de Queirado. N'est-ce pas le signe d'une évolution des mentalités occidentales qui se manifeste notamment par l'intérêt pour la sagesse du Dharma? Alors ça, c'est très important. Il faut savoir que Foucault s'intéresse à la fin de sa vie sur toutes ces questions-là, que lui, il ne parlera pas des exercices spirituels, mais des techniques de soi. Et en fait, c'est parce qu'il a lu Adot. Adot, qui était à l'époque à l'école pratique d'hautes études, dans laquelle j'ai été formé, c'est pour ça que c'est un peu la culture hein, de mon formation. Et c'est Foucault qui, se sachant mourant, prépare sa succession et fait en sorte que ce soit Adot qui lui succède. Alors que même s'ils avaient des orientations très très différentes, hein, et d'ailleurs Adot a décrit hein, les différences d'orientation, je peux la mentionner de façon tout de suite, c'est que Adot critique Foucault. Parce que pour Foucault, il y a toujours une forme. Donc Foucault parle donc de prends soin de toi-même, hein, qui est aussi un adage très très important, aussi important que connais-toi toi-même. Et Foucault le traduit par le souci de soi. Et ça, Adot va dire, ça, le souci de soi, c'est une tendance déjà trop narcissique. La philosophie antique, ce n'est pas que du souci de soi, c'est à la fin, la connaissance de soi débouche sur une expansion de soi, une expansion du champ de conscience. Et à la fin, il dira même une conscience cosmique. Et ça, c'est une grosse différence. Et donc, il traite pas. Il était très très poli. Hein, c'était un monsieur très diplomate. Mais la philosophie antique, si elle parle de soin de soi, donc moi, je préfère largement soin à souci. Elle ne tombe ni dans le narcissisme ni dans le dandysme. Et elle débouche toujours sur cette conscience cosmique, comme c'est un mot qu'aimait bien Adot. Et qui finalement, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais qui est une contemplation de la nature, de l'harmonie naturelle. Et les anciens Grecs distinguaient deux attitudes opposées, la tendance prométhéenne, qui consiste à voler les secrets de la nature, à les trucs, les ruses, donc la mécanesse, par exemple, hein, qui est l'origine de la mécanique. Que les anciens méprisaient, ça c'est assez intéressant de savoir, les anciens philosophes méprisaient les mécaniciens parce qu'ils voyaient des gens qui font des trucs, quoi, en fait, en français on dit tricks, donc là, le français m'échappe, les tricks c'est un peu oui, les ruses, les astuces en fait, mais qui sont pas. Donc ça c'est l'attitude prométhéenne de domination par astuce en fait. En étant malin, en fait, hein,
Ils opposaient ça à l'approche orphique, une contemplation de la nature, en fait, et qui est un dépassement de l'ego. Donc ça, ce qui est magnifique en lisant Ado, c'est qu'on redécouvre que la sagesse grecque et romaine, c'est en fait une sagesse aussi du dépassement de l'ego. Et donc, fin de la question, manifeste pour la sagesse du Dharma, oui. Il faut savoir que donc, ce livre à laquelle j'invite vraiment la lecture, était écrit vraiment à la fin de sa vie, Ado. Hein. Donc c'est vraiment une synthèse de ses travaux. C'est vraiment comme un manuel. Moi, je l'utilise comme manuel pour les étudiants dans leur début de cursus. Voilà, donc c'était aussi lui-même à la fin de sa vie, hein, qu'il a eu ses ouvertures, comme je l'ai cité aujourd'hui, à la Chine et l'Inde. Je continue, il y a une longue question, donc permettez-moi de la lire. Alors, il y a quelque chose de très très important sur l'héritage chrétien et l'importance de la culpabilité. Donc ça, c'est vraiment très profond. Et j'en ai mentionné, je prendrai un point de vue bouddhiste, ce qui m'évitera de forcément critiquer les autres traditions. Mais il y a vraiment effectivement une subtilité entre réprimer ses émotions et être dans... Et un aspect de cette répression, c'est un jugement. De se juger de façon très négative, voire violente. Donc, c'est cette voix intérieure, ce que Freud a pris sur moi. Ça, c'est très important. Mais d'autre côté, pas non plus laisser aller à ses penchants de façon complètement débridée. Donc, cet équilibre est très, très subtil. C'est ça, en fait, c'est ça qu'originellement le bouddhisme appelle la voie du milieu. La voie du milieu, c'est vraiment ça. C'est ni cette répression où on va vraiment se mortifier. Les pratiques de mortification existaient beaucoup hein, dans l'Inde. Hein. Le Bouddha les a expérimentés. Le fait de donc l'ascétisme, c'est-à-dire le plaisir nous rend faible finalement, parce que finalement ça se retourne, le plaisir étant transitoire. Quand ça se change, on va morfler. Donc en fait, pour se blinder, il faut arrêter de jouir et souffrir pénitent. Comme ça, on souffrira pas. Donc c'est vraiment et ça le Bouddha a pratiqué ces méthodes-là. Il a dit que c'est pas ça qui conduit à l'éveil. Il y avait une approche plus subtile qui va aussi donner de l'importance à certaines formes de plaisir et de bien-être. Donc ça, c'est vraiment, par rapport à l'ensemble des traditions indiennes de l'époque, le bouddhisme apparaît de façon très modérée. Et d'ailleurs, limite un peu trop cool, c'était une des critiques des autres mouvements. Bon, disons, vous y allez très, très doucement, les gars, parce que, justement, il s'agit aussi de ne pas trop se malmener. Il y a, en fait, certaines formes de plaisir, on peut dire, même corporelles, mentales, intellectuelles, qui sont importantes. Certaines sources de plaisir qui sont importantes, qui participent d'une croissance. Et si on s'en prive, ça peut finalement bloquer cette croissance. Donc effectivement, beaucoup de traditions, même bouddhistes elles-mêmes, vont donner lieu à une forme de culpabilité. Et ça, c'est pas, ça, ou même ça peut aussi amener à un rejet du corps, un rejet des besoins du corps. Et ça ne conduit pas à l'unification intérieure, ça ne conduit pas à la paix. C'est une impasse que, hélas, beaucoup de moines, notamment, en ont fait les frais dans l'histoire des traditions. Alors, la question suivante par Philippe Grenard. Ah oui, alors très, très important. Alors, ça, c'est vraiment sur les réseaux sociaux. Alors, je la lis parce qu'elle est courte. Elle est à l'heure des réseaux sociaux, de l'information, la réflexion philosophique peut-elle encore trouver sa place ? C'est parce qu'on est dans cette ère de l'information qu'on a besoin, et c'est pour ça que j'insiste aujourd'hui sur l'importance de la réflexion, parce que au départ, quand j'ai commencé à enseigner ici, histoire des idées philosophiques et religieuses, je voulais vraiment insister sur l'importance de l'intuition, de la pleine conscience, de l'intelligence émotionnelle. Et puis rapidement, je me suis rendu compte que non. On en était déjà que toute l'immédiateté, tout le langage de l'immédiateté, qui est très important dans ces approches-là, pouvait être complètement perçu d'une autre façon dans celle de la consommation immédiate, c'est-à-dire la gratification immédiate du tout de suite dans lequel on est, et donc de l'absence de réflexion. Et donc du coup, j'ai vraiment redécouvert pour moi-même aussi l'importance de la réflexion. Et ce qu'il y a de gravissime dans l'ère de l'information, c'est que finalement nous sommes face à un déferlement d'informations que nous ne prenons plus la peine non seulement de vérifier, bon, c'est pas toujours possible,
mais ne cesse de critiquer. Et en tout cas, ce qu'il faut pas faire d'un point de vue de la philosophie, notamment stoïcienne, c'est de ne pas donner son assentiment à un jugement si on n'a pas pu l'examiner complètement. Au moins suspendre son jugement, je ne sais pas. C'est beaucoup mieux que de croire sur images, notamment choquantes. Ce qui ne veut pas dire que c'est faux, mais au moins je n'ai pas toutes les données qui me permettent d'avoir un jugement définitif. Et de ne pas faire, ce serait-ce que ce travail le plus élémentaire, c'est, je pense, très très grave. Et notamment, on le voit déjà, parce qu'en fait, notamment chez les élèves, dans l'enseignement même supérieur, un déclin en fait, de la pensée conceptuelle au profit finalement de l'imagination, d'une émotion immédiate, d'une recherche de la gratification immédiate. Et donc ça, c'est très très grave, parce que du coup, on en revient à la jungle des opinions et au règne des apparences. Donc l'ère de l'information, c'est le règne des apparences. Et donc pour trancher le voile des apparences et des mensonges aussi, c'est absolument nécessaire. Donc la réflexion philosophique a une place vraiment de première importance. Oui, alors face au déferlement de violence, parce qu'en fait, si l'émotion est débridée et qu'il n'y a pas ce recul, cette perspective élargie que... Alors là, je fais un lien parce que finalement, les réseaux sociaux, ce sont des espaces de discussion, normalement. Or, la discussion, la discussion, c'est la réflexion collective. La réflexion, c'est la discussion intériorisée. Et donc, il y a chez Piaget, c'est une chose sur laquelle j'ai un peu travaillé, chez Piaget, il y a l'idée, et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas parfois dans la communauté bouddhique, on est un peu, il faut transcender les concepts parce qu'il faut transcender l'ego. Oui, mais or, la discussion, la réflexion, c'est ça qui va déjà élargir la perspective et de ne pas être justement la grenouille au fond de son puits. Et la discussion permet de prendre différents points de vue. Et la réflexion et l'intérieur, c'est comme ça que Piaget en parle, et en fait c'est déjà du Platon, quand j'en parlais à des philosophes plus compétents que moi sur les sources grecques, ils me disaient c'est déjà du Platon. Ils avaient tout à fait raison. En fait, la discussion intériorisée, donc c'est finalement dans la réflexion, on intériorise différents points de vue. On se dit, ah oui, mais ce serait pas que, ah mais si on se place du point de vue de nanana. Et donc en fait, on fait prise de position, mais on les passe en revue, en fait. Et ça, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, hélas, on peut dire, les deux sont liés. C'est-à-dire que la réflexion au niveau de l'individu s'affaiblit et la discussion s'appauvrit. Et moi, je suis consterné, je veux pas trop me... Mais je suis très surpris par le déclin de la qualité de la discussion. Je regarde très peu la télé, mais très, très inquiété par la... Ce ne sont plus des discussions, les gens s'invectivent, en fait, voire s'insultent. Et ça, c'est très, très inquiétant. Et c'est ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, si ce n'est sur les plateaux télé. Ensuite, avec Cécile Robillard, Farid Lakhitinoui. Tout à fait. Donc, Varela, l'inscription corporelle, fait aussi écho à Damasio. Ce sont des ouvrages très, très importants une bonne compréhension de ce que peut représenter le bouddhisme pour notre société contemporaine. Tout à fait, cette inscription corporelle de l'esprit. Et c'est aussi le lien qui fait cette connexion avec le corps, dans l'attention au souffle, et la possibilité de revenir pleinement à ce corps vivant. Aussi, qui est une notion très importante à cette vie en fait, qui anime le corps et qui en fait dépasse le corps. Mais ça, ce sont des perspectives plus religieuses. Et ensuite, il y avait le dernier commentaire, s'inscrire dans un calcul. Tout à fait. Donc, c'est exactement ce que j'essayais de décrire aujourd'hui, que pour être bien comprise, je pense que le bouddhisme, et à travers lui, l'héritage des différentes civilisations asiatiques est un énorme enrichissement pour l'Occident, mais ça ne peut pas se faire correctement si on perd de vue nos propres fondements culturels et les fondements communs. Là, il y a vraiment un travail important à faire, et je pense que c'est tout ça l'enjeu justement des assises de la sagesse, c'est que ces différentes traditions, soit le soufisme ou le bouddhisme,
peuvent être bien vécues autrement. Et je terminerai peut-être là-dessus. Il y a deux écueils, hein, si on se tournait. Donc moi, je suis parti vraiment à l'extrême-orient et j'y suis resté. Il y a deux écueils. Le premier, quand on lit ces traditions, eh bien, ce serait de vouloir leur faire dire ce qu'elles ne disent pas, par exemple, de vouloir les ramener à nos cadres. Donc ça, c'est par exemple un mauvais usage de la méditation. Ce sera de dire, vous méditez, vous serez plus performant. Donc surtout, on ne change rien à l'échelle des valeurs de nos sociétés consuméristes. Méditer, c'est une technique, c'est scientifiquement prouvé, et ça va vous rendre plus performant. Donc ça, c'est vraiment une réinterprétation dans nos cadres actuels, absolument pas examiné d'un point de vue philosophique et éthique. Donc ça, c'est un premier problème. Ou alors, on va dire dans cette même ligne, on va dire le Bouddha était un scientifique. Bon, ça, c'est... En fait, c'est ramener vraiment l'autre à ce qu'on connaît, ce qui est peut-être d'ailleurs même pas le plus profond dans notre propre civilisation. Mais l'autre écueil qui est pas le moindre, ce serait de dire le Bouddha a dit que, et sortir un texte d'il y a 2000 ans et de dire il faut faire comme ça. Et là, c'est aussi un autre écueil. Donc, c'est peut-être l'écueil d'un certain traditionnalisme, mais de la lettre, hein, qui n'est pas la véritable tradition vivante. Et ça, moi, j'en parle comme une forme d'aliénation, alien, c'est-à-dire se rendre, on devient un étranger à nous-mêmes, et surtout si on le fait avec des traditions qui ont quand même de gros bagages exotiques, hein, je pense au Japon, au Tibet, qui sont les deux traditions que je connais le mieux, bon, il y a quand même beaucoup de choses très différentes, donc si on essaie d'amener ça tout de suite sans médiation, sans concertation, ça peut donner lieu à ce que Addo appelait des formes d'aberration, et qui n'aident pas, et qui n'aide tellement pas, et là je parlerai un langage peut-être un peu psychologique, qu'en fait une certaine recherche de l'exotisme aussi peut participer d'une forme de dissociation, c'est-à-dire qu'on a beaucoup, si on a beaucoup souffert de certaines choses, de certaines traditions, de certaines éducations, on peut vouloir les mettre vraiment à distance. Et ça, c'est peut-être normal et nécessaire à un certain moment, mais il faut à un moment donné faire un travail de réconciliation et qui peut prendre du temps et des années, et c'est peut-être plus sur le tard. En tout cas, sans ce travail-là, une forme de se tourner vers des sources exotiques, extérieures, sera aliénant et participera d'une certaine dissociation. En tout cas, encore une fois, donc je conclue maintenant, c'est justement tout l'enjeu, je pense, des assises de la sagesse, de créer tout ce travail, un socle solide sur lequel on peut édifier peut-être une société plus juste, en tout cas plus viable. Voilà, je vais terminer pour ce que je souhaitais dire par rapport à ce que je vois dans le chat. Ah, je crois qu'on t'entend pas. Oui. On t'entend pas. Ouais. Tu prennes ton... Oui, merci beaucoup pour ce que tu viens de dire, qui est le juste milieu dont tu parlais entre un matérialisme, une pensée duelle, univoque finalement, fermée sur elle-même, et de l'autre côté, ce que René Guénon a appelé la pseudo-spiritualité, c'est-à-dire qui part d'un désir sincère et profond, mais qui, de par peut-être ce qui était proposé, la confusion dans laquelle nous vivons aujourd'hui, peut entraîner des formes d'aberration, parce que précisément on disjoint à l'intérieur de l'être ses racines pour une pratique qui, et c'est là la grande différence avec la tradition, n'intègre pas l'ensemble de l'être, à la fois sur le plan psychologique, sur le plan intérieur, sur le plan corporel, et en même temps dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire dans ce que nous vivons. Et je te remercie d'avoir de parler de ça, parce que je pense que pour beaucoup de personnes qui s'intéressent à la spiritualité aujourd'hui, c'est nécessaire d'entendre ces propos et d'en tenir compte, parce que pour éviter de grandes souffrances, hein,
dis pas ça par prosélytisme de quoi que ce soit, puisque nous nous situons dans cette vision de la tradition avec un grand T universel. Non, non, c'est pour éviter des souffrances, parce qu'il y a là de grandes souffrances, de gens qui vont chercher cette paix intérieure et qui, en définitive, se retrouvent, comme tu disais très très bien, dans des processus de dissociation. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes, à ces cheminants? Au demeurant sincère, hein, j'insiste. Tout à fait. Mais je pense que encore une fois, la lecture de la psychologie morale du bouddhisme, c'est autour de ces trois poisons. Ce qui est la première, c'est de vouloir tout de suite trouver quelque chose qui puisse nous donner une satisfaction. Donc en fait, c'est peut-être, ça prend du temps, déjà, donc une certaine patience, donc pas toujours vouloir tout de suite. On n'aura pas accès forcément à ne pas régler tous nos problèmes tout de suite. Et la deuxième, c'est que deuxième poison, en tout cas deuxième caillou dans la chaussure sur ce chemin, eh bien c'est de vouloir mettre fin à sa souffrance. Donc c'est-à-dire qu'on est animé quand une personne est en souffrance, eh bien elle veut s'en sortir. En fait, donc c'est tout à fait bien. Mais si cette souffrance est basée sur ce poison qui est une volonté inconsciente de toujours, de tout de suite. Donc, c'est ça qui fait prendre tout de suite des médicaments. Dès qu'on a un peu mal de tête, tout de suite, une aspirine. On ne veut pas sentir, en fait. Donc, c'est cette volonté d'éviter la souffrance. Donc, c'est une volonté d'évitement. Or, tous les psychologues avec qui je travaille aujourd'hui autour de la pleine conscience, tous les modèles et leur grande sagesse psychologique, c'est de montrer que, par exemple, la dépression s'enracine dans une volonté d'éviter la souffrance. Et il y a une sorte de cercle vicieux qui se crée. Le ressassement, la rumination, je prends juste l'exemple de la dépression, est en fait une volonté d'éviter la souffrance plutôt que pour ne pas en faire l'expérience directe. Or, c'est le fait de faire l'expérience directe qui va créer une réconciliation, une paix et une guérison. Et donc, finalement, guérir la souffrance, c'est en prendre soin, c'est l'embrasser et ne pas simplement la fuir. Or, tout le monde moderne, enfin le monde moderne, le monde actuel, est basé sur des solutions rapides, c'est-à-dire des plaisirs rapides, donc gratification immédiate. Donc, ça peut être des choses très simples, comme le sucre, des films le sensationnalisme. Tout ça, ça fait partie de volonté de jouir tout de suite et sans... sans délai, et de l'autre, c'est de ne pas vouloir sentir la souffrance. Et là, il y a peut-être une des racines les plus profondes du mal d'aujourd'hui, et même, je dirais, du scientisme qui n'est pas la science, et de l'objectivisme qui n'est pas l'objectivité, qui est d'une façon de ne pas vouloir sentir, de mettre à distance, on met une blouse blanche, et comme ça, on ne sent pas. Et comme ça, on ne souffre pas. Mais si on ne souffre pas, on ne guérit pas de cette souffrance. Et donc, en fait, la deuxième solution, c'est eh bien, d'être capable petit à petit, alors peut-être avec de l'aide, avec une aide thérapeutique, d'être capable de guérir cette souffrance. Et puis, ben, le troisième niveau, c'est la confusion, en fait. Hein, c'est que nous sommes dans une confusion, c'est le troisième poison, hein, et qu'il faut justement bien réfléchir, prendre le temps de réfléchir, d'examiner, et de ne pas tout de suite prendre nos désirs pour des réalités. Est-ce que ce que tu dis a sens avec cette phrase d'un maître soufi qui dit ne prends pas ton âme en opposition, mais plutôt accompagne-la vers ce chemin de l'intériorité. Est-ce que ça a sens avec de cette présence intérieure? Tout à fait. Et d'ailleurs, un auteur aussi soufi, très souvent cité dans ce contexte-là, même des thérapies contemporaines, c'est Rumi, hein, qui nous parle d'accueillir en fait les différents hôtes de la maison de l'esprit, y compris ceux qu'on ne voudrait pas, une dépression, un moment, des humeurs désagréables, etc. Et de finalement d'arriver à voir les choses telles qu'elles sont, mais pas telles qu'on voudrait qu'elles ne soient. Voir les choses telles qu'elles sont plutôt qu'autrement. Excuse-moi, là, je m'embrouille à force de. Oui, qu'on voudrait, on a compris qu'on voudrait. Voir les choses telles qu'elles sont. Oui. Et pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. Donc, Et ça, c'est ça aussi la racine du mal-être, en fait. Parce que pour le bouddhisme, alors ça, c'est peut-être la conclusion, la sagesse, c'est voir les choses telles qu'elles sont. Voir ce qui est, c'est ça.
voir ce qu'il y a et pas que c'est pas tel qu'on voudrait, mais c'est ça pour le moment. Et c'est le premier acte d'une solution qui prend compte de toutes les données du problème, qui prend en compte toutes les données du problème. Eh bien, c'est cet accueil de la situation qui n'est pas une résignation. Ça, c'est tout sauf une résignation. C'est au contraire prendre pleinement en compte toutes les données du problème. Et c'est ça aussi qui est, je pense, le rôle de la sagesse ou de la redécouverte de la sagesse dans la guérison du monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire d'être capable d'accepter le monde tel qu'il est. Et ça, c'est ce travail de vision compatissante, sans essayer tout de suite de le changer, de dire « Ah ben, il faudrait que les gens pratiquent le bouddhisme, il faudrait que les gens se convertissent, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. » Ça, ce sera dans un deuxième temps, j'ai envie de dire. Un deuxième temps qui peut être dans 5 minutes, hein, c'est pas de cette temporalité. Hein, mais c'est d'abord cet accueil et cette compréhension, et de là jaillira, il y a cette idée aussi dans le christianisme, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi aussi. Il y a cette finalement, ce n'est plus la solution qu'un ingénieur, qu'un groupe d'ingénieurs pourrait trouver. C'est une solution qui émerge de la vie elle-même, qui émerge de la vie elle-même dans sa sagesse profonde. Alors la vibration, oui. Oui, on a parlé du souffle déjà. Le souffle, on pourrait dire que c'est déjà une vibration. Effectivement, il y a beaucoup de traditions qui envisagent tous les niveaux de la réalité comme différents niveaux de la vibration d'un souffle. Effectivement, du logos, du verbe. Bien. Merci beaucoup, Marc-Henri. Merci. Ça sera notre conclusion pour aujourd'hui, cette voie du juste milieu qui nourrit l'esprit, l'intellect, le cœur, la beauté, toutes les dimensions humaines harmonisées. Et qui devient aussi, on ne l'a pas eu le temps d'évoquer, le bodhisattva, le serviteur. Bien sûr. C'est parce que cet être qui a cheminé sur ce chemin, c'est le Abdallah, le bodhisattva, c'est-à-dire le serviteur du vivant, et qui est finalement le but aussi de la tradition. Tout à fait. Et de tout ce parcours. Merci beaucoup, merci vraiment. Merci beaucoup, Yacine, à toi. Merci beaucoup de l'invitation. De tout ce moment. Et merci à toute l'équipe des Assises de la Sagesse, évidemment, que tu as évoqué, pour toute leur énergie et leurs dons gratuits, toutes des bénévoles qui œuvrent pour le cœur et par le cœur pour faire vivre ces moments. Merci à Thibault, la technique, évidemment. Notre grand Manitou, merci beaucoup. Dans le slide et la malandroupe qui est à l'écran, évidemment, pilier, ma jambe, Burkert, qui est aussi avec nous. Il y a des annonces dans le slide qui va suivre pour les projets. Rejoignez le site aussi, regardez ce qui se passe dans le site, et puis n'hésitez pas à transmettre, à faire connaître, à diffuser, parce que vous disiez comment faire, c'est aussi diffuser les bonnes initiatives. C'est chacun à prendre aussi sa responsabilité à ce niveau-là, c'est important. Merci à tout le monde, merci de ces remerciements. Et vous pouvez continuer le dialogue avec Marc-Henri, je suppose. Vous aurez les possibilités de le voir en podcast, et aussi certainement via mail, on verra comment pouvoir continuer cette discussion. On va conclure avec 5 minutes de méditation, de silence, et puis je vous dis donc à très bientôt, et encore mille merci à tout le monde. Merci.
dernier mot, juste pour annoncer la prochaine masterclass qui aura lieu le 10 octobre. Avec l'invité sera Mathieu Labonne et le Lama Landrup animera la rencontre. C'est autour du livre de Mathieu Labonne, Servir le monde, une approche spirituelle de l'écologie. Merci, merci encore à tous mes remerciements et à très bientôt. Merci à tous ceux qui sont inscrits, tous ceux qui ont participé évidemment à vos questions et à tout le monde du fond du cœur. À très bientôt. Au revoir.